Allez, salut tout le monde, c'est Tox. Bon, bah aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec le Mercedes Classe G. Donc sur ce coup-là, je dois dire que vous avez pas fait exploser la barre des likes, mais en contrepartie, bah, vous m'avez bien fait comprendre dans les commentaires que bah, vous avez bien plu ce petit 4x4 Mercedes. Donc pour pas vous laisser sur votre faim, bah, cette fois-ci je vais vous présenter son grand frère, le 6x6. Donc je suis très fan de ce 4x4 là, franchement. Enfin, c'est pas un 4x4 d'ailleurs, c'est un 6x6. Il est vraiment magnifique. Ça, c'est du tout-terrain, je dois dire. Donc, on va se regarder ça ensemble. Donc, j'ai changé quelques trucs. Bon, ben, surtout l'arrière, bien sûr. J'ai pris le même modèle, je l'ai coupé. J'ai coupé l'arrière, j'ai refait ben, tout l'arrière. Donc, pour faire le 6-6, j'ai changé le pare-choc avant aussi. Car celui-là, ben, il y a un pare-pierre dessous, là, une plaque. Donc, du coup, ben, j'ai refait le pare-choc devant. C'est le seul truc qui change, surtout devant. Donc, il y a des plus grosses roues aussi. Je vais essayer de me mettre. Face des deux pour que vous voyez. Donc, deux plus grosses roues, une garde au sol beaucoup plus haute aussi. Donc bah, du coup, beaucoup plus de franchissement. Donc là, ça commence à être sacrément badass pour le tout-terrain. Donc bah, j'ai refait tout l'arrière, c'est sûr. C'est le truc qui change vraiment avec l'autre. Je vais essayer de vous montrer les deux aussi. Donc ben, bien sûr, ben, 4 roues derrière, l'arceau, en mode pick-up. Après, j'ai fait un petit peu pareil, les deux grosses sorties d'échappement, les feux stop avec les clignotants. Je vais vous montrer de l'intérieur, ça sera plus parlant. Donc l'intérieur, je n'ai vraiment pas changé. J'ai mis un petit toit ouvrant aussi, enfin c'est pas un toit ouvrant mais un toit vitré à la place de l'antenne, parce que sur celui-là il n'y a pas d'antenne, il y a un genre de toit ouvrant. Mince, je suis sorti, désolé. Donc l'intérieur, si je veux le changer quand même, je vais le changer avec vous. Hop, hop, on va se le faire rouge pour changer. Hop, on va faire les tapis de sol aussi. Voilà. Ça a changé un peu. Ça fera noir et rouge. Le Stade Toulousain représente. Donc, ouais, bah, surtout l'arrière qui change avec l'arceau et tout. Avec le plateau derrière. Donc, derrière aussi, il y a une plaque. Il faudra que je peigne l'autre. L'autre truc dessous aussi, mais derrière aussi, du coup, il y a la plaque anti-pare-pierre. Devant aussi, il y a deux petits renfoncements aussi qu'il y a sur le 6-6, de chaque côté du toit. Donc, il y a cette petite modif aussi qu'il n'y a pas sur le Classe G basique. De plus petites vitres derrière aussi, parce que la cabine est plus courte. Donc après niveau fonction, ben, toujours pareil, il y a les quatre portières, je n'ai rien changé. Le capot non plus avec le moteur je l'ai laissé tel quel aussi. Donc c'est vraiment l'arrière qui change. Donc ben, pour l'arrière, ben, j'ai fait la porte qui s'ouvre avec le couvre-plateau en même temps. Donc les deux s'ouvrent en même temps. Je referme tout. Et toujours pareil, ben les feux avec les clignotants. Donc je dois dire que sur le vrai véhicule, comme, ben, enfin, comme sur l'autre aussi, j'ai mis les clignotants sur le pare-choc. Sauf que normalement, sur le vrai, ben, c'est le feu de recul et l'anti-brouillard qu'il y a sur le pare-choc. Donc ben, moi, ils ont pris la fonction de clignotant pour simplement les mettre, parce que normalement, c'est à la place des feux stop, enfin, sur les côtés des feux stop. Donc, ben, il n'y avait pas la place de les mettre. Donc, ben, ils ont pris leur place sur le pare-choc, comme sur l'autre version. Donc, devant, je n'ai rien changé. Si j'ai changé les feux de jour qui restent allumés cette fois-ci, sur cette version. Sur l'autre, ils sont éteints. Je n'ai pas fait la modif. Donc, après, le véhicule fonctionne pas mal. Je dois dire qu'il y a quelques chutes de FPS quand même.
J'ai augmenté un petit peu aussi la vitesse des moteurs parce que ben, le véhicule est un peu plus lourd. Donc voilà, il a un petit peu tendance à cabrer aussi. Bon, pas quand il est posé par terre, mais quand on est en côte, il a tendance un petit peu à cabrer. Il y a un peu plus de poids derrière, mais bon, il suffit de jauger un petit peu l'accélérateur et ça se passe bien. Ouais. Après, il y a quelques petites chutes de FPS par rapport à ce véhicule parce qu'il y a un peu plus de bugs dessus, pas de suspension, pardon, mais de roulement, donc du moins pour les feux stop derrière. Et le fait de mettre le couvre-plateau dessus, et ben ça appuie sur des bugs de roulement qu'il y avait sur cette version et sur la version de base. Donc ça fait un peu plus laguer le jeu. Mais bon, ça reste plus que raisonnable. Là, j'ai aucune chute d'FPS, mais de temps en temps, j'en ai. Mais bon, au moins, le véhicule est là. Franchement, je dois dire qu'il a sacrément de la gueule, celui-là. 6 par 6, c'est rien à voir. Hein. On voit bien que c'est le grand frère. L'autre, à côté de ça, il paraît bien ridicule. Mais pourtant, l'autre, il est quand même pas mal impressionnant. Il est quand même un gros. Alors, celui-là, attention. Donc ouais, ben voilà, vous avez le 6x6, certains me l'ont demandé d'ailleurs, et je comptais le faire, bien entendu. Donc je me retrouve avec un 4x4, un 6x6, et je pense que d'autres 4x4 vont venir aussi. D'ailleurs, en parlant de ce qui va venir, ben ça doit faire 3-4 vidéos que j'attends de vous montrer quelque chose avec beaucoup d'impatience. Il me tarde absolument de vous le montrer, de voir votre réaction. Le seul truc que je peux vous dire pour pas spoiler, bien évidemment, c'est que c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce que je peux vous présenter d'habitude. Vous allez être beaucoup surpris. J'espère très content de le voir. Donc il me tarde qu'une chose, c'est de faire la vidéo. Donc je peux m'arrêter là pour les 4x4 et les Mercedes, parce qu'on m'a demandé beaucoup de Mercedes, du coup. Je dois dire qu'ils sont très difficiles à faire d'ailleurs, les Mercos. C'est pas les véhicules les plus simples à faire. D'ailleurs, j'ai fait le Classe G parce que c'est l'un des plus simples au niveau Mercedes. Mais bon, ça reste des véhicules très difficiles à faire pour scrap mécanique. Donc, je vais essayer d'en faire, mais je garantis absolument rien. Donc, oui, je disais que je vais m'arrêter là sur les 4x4 puisque la prochaine vidéo, je pense qu'elle tournera sur ce que je veux absolument, absolument vous montrer. D'ailleurs, Monsieur Crésus en a un aussi, 6x6. C'est dommage, j'aurais aimé qu'il soit là pour la vidéo. Heureusement, je vois qu'il se connecte pas trop, donc je fais la vidéo sans lui. Je suis désolé, Monsieur Crésus, mais bon. Je voulais la montrer avant de montrer la suivante, donc tant que j'étais sur le Classe G. Donc, tant pis pour toi. T'auras plus qu'à faire la vidéo sur ta chaîne. Donc je vais vous quitter là-dessus de toute manière, puisqu'on a fait le tour du véhicule. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Moi, il me plaît beaucoup ce véhicule. Je vous souhaite à tous de très bons jeux, de très bonnes constructions. Je vous mets le lien dans la description et sur le workshop. Vous ayez les deux. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!